Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur South Park, l'anal du destin. J'espère que vous allez bien. On est parti pour écouter la suite de cette aventure. On a débloqué enfin les artefacts épiques qui nous permettent d'être beaucoup plus puissants, hein, ce qui semble tout à fait logique. On a actuellement le cube de commandant Kun. C'est le premier artefact qu'on débloque, hein, il nous en donne un de base. Bien entendu, plus tard on en débloquera d'autres. On a également on a débloqué juste ça. Si, on a également un nouveau pouvoir. On a également un nouveau pouvoir qui est le pouvoir du las de gadget. J'en ai profité pour du coup prendre le globe à gigavolt, également un nouvel ultimate, l'annihilateur aéroporté. Donc j'ai fait un mélange de l'élémentaliste, du speed... Mais en fait j'ai fait un mélange des trois classes, voilà, j'ai un sort de chaque classe. Donc c'est plutôt pas mal, et je pense que sur ce côté là, on est plutôt bien. On est vraiment bien. On est parfait, il n'y a pas de souci avec ça, on devrait pouvoir s'en sortir. Et là, on va devoir se diriger du coup vers le repère du Kun. Donc c'est parti, allons prendre le téléport et dirigeons-nous vers le repère du Kun pour continuer les quêtes principales. Alors je sais pas du tout si on s'approche de la fin, je pense qu'il nous reste encore pas mal de trucs à faire. On n'a pas encore tout découvert sur la carte, donc le let's play peut durer encore assez longtemps. Alors en ce moment j'ai pas mal de let's play, on va pas se mentir, donc c'est pour ça que j'essaye de les finir absolument. Je sais qu'il y a peu de monde qui regarde mes let's play, hein. Je fais 5000 vues par vidéo, ça plaît pas à tout le monde. Mais moi je les fais quand même parce que c'est des jeux qui me plaisent du moment et j'ai envie de continuer, et surtout il faut les terminer, tu vois, c'est tout à fait normal. Donc parce que j'ai vu certaines personnes me dire, Kira, tu fais moins de vues et tout. Ah mais il change toujours de mot de passe. Qu'est-ce qui lui arrive? Surtout qu'il n'y a aucune utilité, il met le mot de passe accroché à côté, j'ai l'impression. C'est comme les gens qui mettent leur mot de passe sur leur bureau. C'est un truc à ne pas faire. Te voilà, et ben ton ami du temps. Assieds-toi, Troduc. Il y en a qui le font, c'est une très mauvaise idée. Très bien, tout le monde. Troduc a interrogé Glacy et il a découvert que la piste suivante était où Youstorit, ici en ville. Il faut s'y infiltrer ce soir. Ça peut pas se faire. Pourquoi, Moustique? Parce que l'entrée de Youstorit est en lave. Entièrement en putain de lave? Merde! Il doit bien y avoir un moyen de passer. Ah. Y a... boîte à outils. Ça va être le... D'accord, on va pouvoir débloquer la lave. Dégage la lave, tu te souviens? Ah. C'est un de ses super pouvoirs. Eh, et boîte à outils a dit qu'il devait un service au nouveau. Eh ben, on dirait que tu vas de nouveau nous servir, Troduc. Super Kai, envoie un email anonyme à boîte à outils. Dis-lui que le nouveau souhaite un retour d'ascenseur. Tous les autres, rentrez chez vous et au lit. On se retrouve au Youstorit ce soir. Au lit, tout le monde. La bande est sur l'affaire. Rentre chez toi, Troduc. Si tout se passe comme prévu, boîte à outils te retrouvera plus tard. Mais prudence, c'est un faux cul, un traître renifleur de Dash. Boîte à outils, c'était lui qu'on avait croisé professeur Chaos. Je sais plus. Bah si, ça doit être lui. Donc lui, il peut enlever la lave, c'est ça? Ok. Transformation en mode normal, parce qu'on doit se diriger au lit. Et donc ça va se passer la nuit, encore une fois. Formidable. Allez, rentre coucher, rentre chez toi. J'aime bien parce que Moustique avait l'air tellement heureux d'aller se coucher. C'est le seul moment où les gosses sont heureux d'aller se coucher pour foutre le bordel la nuit. On prend d'assaut le repère du professeur Chaos ce soir, Troduc. Rentre chez toi, puis fais le mur à la nuit tombée. Très bien, donc oui, donc c'est bien lui. C'est bien lui le boîte à outils, c'est lui qu'on a croisé avec le professeur Chaos. Mais est-ce qu'il va vouloir nous aider? Ça c'est beaucoup moins sûr. Donc je suppose que dans cet épisode on va pouvoir débloquer... le moyen d'enlever la lave, et ça nous permettra aussi de pouvoir passer à plusieurs endroits. Bah comme à la banque, il fallait enlever la lave. Également des passages qui étaient bloqués, hein, des raccourcis, hein. Tout simplement. Bon allez, on avale notre pas. C'est déjà arrivé une fois ça. On entend nos parents qui s'engueulent, j'ai l'impression. Et on va rien manger, formidable. Pourquoi vouloir révéler? Ah, c'est encore avec le... Ah oui. J'ai rien dit, c'est notre môme qui l'a dit. Avant que tu l'aies confirmé quand le principal t'a appelé. Excellent. C'est une question de temps avant qu'il sache tout. Je suis un asiatique russe. Le garçon va mal. Il se pose des questions sur sa race et son orientation sexuelle car il est perdu. Mais la désorientation, c'était voulu. Plus notre enfant en sait sur la vérité et plus c'est dangereux, connasse. Mais regardez qui est là. Tu as bien joué, petite crapule. Ton dîner t'attend sur la table, mon cœur. Après, on file au lit. Tu as école demain. Ah, il y a école demain. Vous me prenez pour un débile? Ouais, j'ai l'impression. Ah là là.
Alors on va récupérer de la thune d'ailleurs. Tiens, fragment émo. Tenue hypersonique, gants hypersoniques, couvre-chef hypersonique, cible. Oulala, là, là, on en a débloqué des choses. Voilà, là, là, tout ce qu'on a débloqué, c'est pas mal du tout. Tiens, je vais en profiter du coup pour aller voir le costume que je viens de débloquer. Il est assez classe, j'aime beaucoup. Bah, on a acheté pas mal de choses aussi au dernier épisode. Donc oh là là, attendez. Oui, c'est ça qu'on a débloqué. Vêtements. Oh là, on a débloqué trop de trucs. Ah, oh, il est pas mal, hein, la tenue hypersonique, hein. Ah, ça va, ouais, ça va parfaitement avec ce que j'ai. Bien entendu, on a les gants. J'aime beaucoup ces gants-là aussi, ça va très bien avec. Mais on va mettre ceux-là, hein, ça fait partie de la tenue. Et les lunettes, on va garder ceux-là. C'est parfait, franchement. Voilà. Très bien. On est bien habillé. On est prêt pour aller se coucher et pour... Écoute, mon cœur, je sais qu'on n'en a jamais parlé, mais ta mère et moi, nous sommes très fiers d'être russes. Bonne nuit, mon ange. Oh, excellent. Par rapport à ce que j'ai dit, du coup. Ah, c'est trop bien. Russe asiatique, t'as oublié de préciser. C'était quoi cette métaphore? Comme une grosse bouse dégueulasse. Il n'y a qu'un remède contre les grosses bouses, le groupe et sa bande. Hashtag pote de la liberté enculé. Ah bah, les potes de la liberté. Les 120 de chaos. Plus vite hors de chez toi. Alors il fallait quoi? Il fallait trouver 3 trucs. Trouver la clé en or. J'ai pas eu le temps de voir. Trouver la clé en or, trouver la clé en cuivre, trouver la clé en argent. Ok. Oh là 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 là, c'est de pire en pire, hein, cette famille. C'est de pire en pire cette famille. Ah bah oui, mais c'est pour sortir de chez moi, ouais, très bien. Ah, ils ont complètement barricadé tout ça. Alors on peut déjà virer ces verrous là qui sont assez simples à enlever, hein, et qu'on avait déjà viré auparavant. Donc là il nous faut une clé en or, une clé en argent et une clé en bronze. Alors c'est relié à où ça? Attendez. Parce que là ils nous disent... Ah bah oui, non mais là il faut juste arrêter le temps, on s'en fout d'arrêter l'électricité. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je ne voulais pas retourner dans le temps. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je veux juste arrêter le temps. Voilà. Voilà. Hop, la première clé. On va devoir trouver les deux autres. Alors, clé. Là, voilà, la clé en or est ici. Bah dis donc, c'est... Enfin, faut cacher mieux que ça, parce que si vous voulez vraiment pas que je me barre... Putain la clé... Instagram. Pas tant que j'aurais mon mot à dire, putain. J'en peux plus de cette famille, bordel. Heureusement que mon personnage se distrait et s'amuse avec ses amis et il s'imagine des aventures incroyables, parce que c'est complètement la déprime, hein, dans cette baraque, hein. Je comprends pourquoi il veut se barrer tous les soirs, hein. C'est tout à fait compréhensible. Par contre, comment je peux... Ah bah non. Oui, mais non, c'est juste pour les... Ah non, mais c'est juste pour les gens ne rentrent pas, en fait. Tiens, en fait, là, je pouvais... Comment on se retrouve, le nouveau? Ah, boîte à outils. Il se passe quelque chose dans cette ville, et boîte à outils doit intervenir. Viens, accompagne-moi au repère du professeur Chaos. Tu veux sûrement connaître mes origines de super-héros? Tu vois, quand j'étais petit, mon père et moi, on travaillait sur un projet dans le garage. Quand un énorme orage a éclaté et un éclair a projeté mon père loin de son établi. J'ai couru pour l'aider, mais un autre éclair a fait fusionner ses outils électriques avec mon corps. C'est comme ça que je suis devenu super-héros et mon père handicapé mental. Désolé, je rigole, mais ouais, ça me fait rire comment il raconte son histoire. Oh non, il est encore... Pourquoi tu... Eh bon, Randy. Simplement aller te faire foutre. Randy, oh, Randy. Randy, ramène tes fesses tout de suite et arrête de rayer ma voiture. D'accord. Le pire, c'est que c'est même pas sa caisse, quoi, c'est horrible. Mais là, c'est différent. Mon père est encore plus débile qu'avant. Peut-être que Boîte à outils veut aider son père, car il a le sentiment qu'il aurait pu le sauver sur le moment. Oh, c'est juste que ton père est comme ça, depuis le début. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a une soirée? C'est le quartier des alcooliques ou je rêve? Parce que entre Randy, qui est complètement alcoolique, c'est quoi, et les gens qu'on croise dans la rue... quelque chose avec tes parents? Ah oui, si tu savais, hein, mais c'est comme ça que je suis là, hein, malheureusement. Je hein, comprends que tu veuilles pas en parler, ça doit être difficile à supporter. Ah, mais c'est énormément difficile. Donc là, c'est une zone où on n'a jamais été, les potes, donc c'est de la découverte complète. Je suis assez content. Alors attendez, déjà là, on peut monter là. Donc analysons tout ça si on peut. Ah bah, correspondance trouvée, bah c'est parfait. Bah, je vais directement aller l'étudier le prout mobile, on va aller fouiller tout ça. Hein. C'est le mec qui s'en bat les couilles de la quête principale et qui se casse.
Incroyable. Wow, on a réussi, le nouveau. Là, c'est pour aller à droite ou c'est pour descendre? Prêt? Parce que j'ai pas envie de louper des choses. Oh là là, sérieusement? T'assures vraiment dans ce domaine? Pas cool. Excuse-moi. Ah mais on peut aller encore plus loin. Ah mais attendez, j'aurais peut-être pas dû faire ça tout de suite du coup, parce que je vais certainement louper des trucs. Bon, c'est pas grave. Au pire, on y retournera plus tard, c'est rien. Ah, ça va peut-être le moment pour redescendre. Ah, c'est bon, c'est pour redescendre, c'est pas mal. C'est quoi ce quartier? Ah, c'est le Shit Patton. Je me rappelle de ce quartier. Il y a un épisode aussi consacré à ça dans South Park. Je sais plus exactement en quoi... De quoi est constitué cet épisode, mais le Shit Patton, c'est... Ouais, c'est un épisode entier, je crois. Même plusieurs épisodes, si je me rappelle bien. En fait, c'est une ville... Ah, je vais peut-être dire des conneries parce que je me rappelle plus exactement. En fait, c'est une ville où tout est disponible. C'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez hôtel, vous avez... Tout est disponible dans cette ville, mais sauf que ça part en couille. Je me trompe peut-être, parce que je vous avoue que je me rappelle plus vraiment. On vient de tuer un chat. Je viens de tuer un chat. Je sais plus exactement cet épisode de South Park, mais ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Voilà, je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Ok, alors on va rentrer ici. Et après la ville part complètement en couille. Alors, je regarde s'il n'y a pas des trucs à analyser. Ah, c'est la maison de Kenny en plus là-bas. Je peux pas aller là. Non plus. Bon d'accord, je vais te suivre. Dis-moi. Voici la maison de Mysterion. Il y a un raccourci vers le nord de la ville. Ah mais Mysterion, c'est c'est Kenny? Ah, je savais pas. Et je savais pas, tiens, je viens de... Tu sens une odeur d'urine par ici? Alors je savais certainement, mais je me rappelais plus. On utilisait l'urine comme engrais pour cultiver la marijuana. Quelqu'un en a fait pousser sur ce canapé, on dirait. Je parle de Watouti, t'as gros bâtard de traite, méfie-toi de lui. S'il te plaît, laisse-moi faire, Cartman, il n'y a pas de souci, je vais me débrouiller. Si c'est un traître, on lui réglera son souci dans pas longtemps. Attendez, on vient de gagner un artefact là. Artefact 72, c'est pas mal. Bon, pour ceux qui connaissent pas Kenny, c'est le pauvre de la bande. Hein. Donc c'est tout à fait normal que ce soit autant le bordel chez lui. Et encore là, ça va. Hein. On a vu pire. Balancer des pétards ici, ouais, pas mal. Nouilles. Les nouilles. Les nouilles. Ah oui, les nouilles, c'est pour invoquer Moïse. Je crois bien. Non, pas par ici. Suis-moi. Ouais, mais attends, mec. J'ai des trucs à fouiller. Ah bah là, on peut pas non plus. On n'a pas trouvé la personne. La personne qu'il faut. J'ai l'impression que le pouvoir qu'on va du coup débloquer, ce sera pour utiliser l'électricité, hein, apparemment. Hein. Parce qu'on en a eu pas mal, hein, on en a découvert pas mal de secrets comme ça. C'est avec nos allocs. Ok, attendez, avant d'entrer là, je vais regarder s'il y a d'autres. Toujours analyser. On peut pas péter le mur là par hasard. Attends, je vais aller fouiller les autres maisons là. On va aller voir. On peut pas aller voir ses parents par hasard. Ce serait cool. Hop, crayon cassé. Oh, le petit yaoi. Oh, il est en train de la frapper. J'aime trop, bordel. On va se percer et faire l'amour. Je fais pas l'amour moi, mais je vais te baiser à mort. Non, c'est moi qui vais te baiser à mort. Oh merde. Le couple complètement lunatique qui sait pas ce qu'il veut. Cette cachette. Il y a un bouton là, il faut appuyer dessus. Ressort dans le jardin. Maintenant je vais te montrer l'outil le plus puissant de boîte à outils, la sableuse. Attends, on a des trucs à péter là. Le petit prout. J'ai l'impression, alors vu qu'en fait on est dans une zone qui est vachement bordélique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments et tout ça, j'ai l'impression de louper des choses, c'est horrible. En fait, non, pas forcément. J'ai juste qu'on est dans le quartier des pauvres et que c'est juste complètement le bordel. Voilà, donc faut juste que je fasse attention à ce qui est jaune, hein, finalement. C'est le plus important. Là. Avec la force qu'elle génère, je peux éliminer n'importe quel obstacle. Bah vas-y, montre-moi.
Allume-le et je te montrerai ma vie. Mais attends, t'es obligé de transporter tout le temps ça pour virer la lave? C'est le tunnel secret de Mysterion. Ah bah je sais pas comment ça va se passer mais... Putain, on va faire de l'urbex les potes. De l'urbex en direct. En direct sur South Park. De l'urbex. Avec deux gamins qui ne savent pas quoi faire. Il y a un moyen de les contourner. Mais pourquoi tu veux les contourner? C'est notre jardin d'hiver. Cette boîte en carton, c'est notre tunnel secret. Vous ne nous empêcherez pas de l'emprunter. Ils vont nous attaquer, mec. Ok, le nouveau, je crois que toi et moi, on va devoir percer ces gars. Allez, on va se les faire. Approche, petit. J'ai des œufs durs plein les poches. Allez, hop, l'explosion. Oh non, 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 non. Non, j'étais attaqué directement, j'ai pas eu le temps. C'était censé bon. Faire référence à un outil, tu captes? Bon, c'était tiré par les cheveux. Ouais, tu sais, des vannes avec des outils, y'en a pas des masses non plus. Eh, est-ce que t'es aussi chiant que le capitaine Diabète? Oh c'est mon dieu. Je m'y pencherai plus tard. Il va nous sortir des blagues toutes les minutes. Oui, je disais, est-ce que t'es aussi chiant que capitaine Diabète, mon ami? J'espère pas parce que... Bon, on en a explosé deux. Donc heureusement, heureusement, parce que sinon on aurait été dans la merde. Ah bah voilà, bon. Ils ont déjà le dégoût de base. Bien le nouveau, c'est à toi. Alors, du coup, on va pouvoir découvrir les nouveaux pouvoirs de ce nouveau personnage boîte à outils. Qui va certainement être magnifique, j'espère. Alors, on va reculer. Voilà. J'ai pris un coup de jus. Et l'attaque AOE. Ah bon, on les tue directement. Ouais, mettons-leur une raquée. Oh, oh là là, les dégâts. Je sais pas encore quel joli coup je vais te montrer en premier. On a pas beaucoup de vie, mais putain, qu'est-ce que ça fait plaisir de faire autant de dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on a comme compétence avec notre ami boîte à outils, avec un nom toujours... Bah, au moins, il est clair et net, hein, son nom. On sait ce qu'il va faire. Alors, tire le long de deux lignes diagonales. Ok. Balance des tournevis pour infliger des dégâts et repoussements. Et ça, c'est un heal. Alors, est-ce que je peux toucher l'ennemi jusque là-bas? Non. Bah je sais pas quoi faire du coup, bah je vais juste passer mon tour là en fait hein. Je vais faire de toi mes nouvelles chaînes. Il est beaucoup trop loin. Ah là, là je peux peut-être le toucher. Yes. Double crochet. Yeah. Et voici c'est pas mal. Elle perce dans les deux sens. Ça bah, tabasse, hein. Il nous avait fait cette attaque hein, quand on s'est battu contre lui. Il est mort lui. Ah ouais, le temps qu'il se casse. A chaque fois je vais utiliser ces deux attaques afin de mettre choc avant et ensuite de faire l'attaque qui est beaucoup plus puissante. Ah mais en vrai là j'aurais pu le tuer en faisant deux attaques choc donc il y a des moments j'hésite en fait à faire l'autre attaque, je sais pas si c'est vraiment utile. Oh c'est une attaque en diagonale ça. Oh des attaques en diagonale comme ça on en a jamais eu. Là on va être obligé de faire cette attaque là. Bam. C'est stylé. Bon déjà je préfère boîte à outils que Capitaine Diabète. Je vous le dis directement, il m'a l'air d'être beaucoup plus sympathique et j'aime beaucoup le perso en fait. J'aime bien ses techniques. L'attaque en diagonale, l'attaque des deux côtés, il a vraiment une bonne portée. Il est assez intéressant. On a débloqué un artefact. L'artefact magique. Qui est nul à chier je crois. Ah on en a un autre ici, 60. Non c'est pas mal. Attends, avant de te suivre. Ah, ils ont plein de trucs de cachés, hein, les SDF. Hein. Voilà, regardez. Il y a de l'argent partout. Il y a de l'argent. Je suis en train de voler de l'argent à des SDF. Putain. Ah, mais en fait, regardez, l'argent est par terre. Il y a plein de pièces par terre. Ils sont beaucoup trop riches. Hein. Ah, est-ce qu'on peut monter ici, par hasard? Ah, ça a pas l'air. Ce sera peut-être pour plus tard. Bon, très bien. Ce n'est point grave. Rat mort. Hein? On a récupéré un rat mort dans le tuyau? Ok. Alors, je récupère tellement d'objets que des moments, je sais même pas si ça va être utile pendant l'aventure. Parce que finalement, j'ai crafté des choses. Mais il y a eu beaucoup d'objets, genre ce rat mort. Que je vais jamais utiliser hein, en vrai. Hein. Je pense que ça va jamais être utile. Alors, y a pas un truc par hasard là? Je peux pas aller à droite? Non. Ah non, on est obligé d'aller là-bas. Allons-y. C'est l'anarchie par ici. Hein. On est arrivé du coup à Eustorit, hein, formidable. Je pensais pas qu'on allait faire tout le chemin. Oh! Les voilà! Les amis du coup, rassemblement!
Eh ben, on dirait que le maudit traître montre enfin le bon. Ah, ils vont vouloir du quoi boîte outil qui m'a aidé depuis le début. On va devoir le défendre. Le nouveau fait partie de la bande et la bande se serre les coudes, abruti. Allez, il faut passer cette clôture. Ouais, boîte à outils, c'est ce que veut le nouveau. D'accord. Ah, il est toujours obligé d'avoir sa machine, quoi. Je peux utiliser ma sableuse pour éliminer okay. n'importe quel obstacle. Waouh, c'est fantastique. Alors, le souci, c'est qu'il y a des endroits où il y avait de la lave, mais je crois pas qu'il y avait des. Ça a marché, le coup et sa bande. Je crois pas qu'il y avait ça à côté des moments. Boîte à outils, je te fais pas confiance. Tu fais un pet de travers et je te pulvérise. Mais laisse-le, Cartman, laisse-le. Arrête tes conneries. Voilà, c'est très bien dit. Bien. Classy a dit que les chats finissaient tous dans l'un de ses locaux de stockage. On se disperse. On n'a jamais viens été autant. Viens là, miné, miaou, miaou. Très bien, donc nous sommes maintenant au U-Storyt et on va essayer de fouiller tout ce bordel pour voir s'il y a des trucs intéressants à trouver. Donc on doit trouver les traces de on doit trouver Sacripant, hein, et on va voir s'il y a des traces. J'aime bien le minou. Je suis pas sûr qu'il vienne. Voilà. Sacripant. Voilà. Appelez le Sacripant si c'est vraiment son nom. Peut-être qu'il va se reconnaître, parce que oui, hein, faut pas prendre les animaux pour des débiles. Les animaux connaissent leur nom et ils reconnaissent l'intonation de ta voix, donc il n'y a pas de souci. Si t'appelles ton animal, excusez-moi, il viendra sans trop de soucis. En tout cas, moi, c'est pas le cas avec mes chats, mais c'est parce qu'ils sont encore jeunes. Mais si je continue à les appeler par leur prénom, au bout d'un moment, ils viendront forcément. Voilà, je sais que j'avais un vieux chat qui s'appelait Minette, je l'appelais, il n'y avait pas de problème, elle venait, elle reconnaissait. Alors c'est vrai que des moments, j'essayais de la piéger. Par exemple, je disais banane, j'attendais pour voir si elle vient, et en effet, des moments elle venait. C'était rare, mais des moments elle venait. Donc des moments, je me dis, est-ce que c'est pas juste ma voix qui fait qu'elle vient, tu vois? Ou est-ce que c'est vraiment le nom? Elle vient quand même plus souvent quand j'appelle Minette, hein. je vais pas vous mentir. Mais ça m'est arrivé qu'elle venait quand je l'appelais banane, donc... Au bout d'un moment, je me posais des questions, hein, sincèrement. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ah bah tiens, il y avait... Oh, tenue champion, et même pas de mot de passe. Ah, on ne peut pas récupérer cette bouteille, non, pas du tout. De l'eau, ok. Sortons d'ici. Avec le petit calendrier de chat. C'est un peu trop capté du coup, hein, si vous avez un calendrier de chat. Il me faut plus d'élan. Étant un cerf-volant, je pensais que tu pouvais voler, non? Oh, il y a des millions de Captain K.O. là-haut. Et moi qui croyais qu'en tant que cerf-volant, t'étais léger. Encore un stéréotype. Sachet de nouilles japonaises. Bon, je sais très bien qu'il faut récupérer le masque, hein, qui est au milieu, hein, mais on va tout fouiller. Ouais, ça a l'air d'être bon. Qu'il y ait des chats ici. Attendez, j'ai un indice. Qu'est-ce que t'as trouvé? Personne ne l'avait vu, il était au milieu. Oh, professeur K.O. Ah mais non. Oh, je me suis gouré depuis le début. C'était pas professeur K.O. l'autre. C'était Mysterio. Lui, c'est professeur K.O. Oh là là, je suis désolé. Vous avez dû gueuler dans les commentaires. Vous avez dû vous dire, mais qu'il est con. Qu'il est con, Kira. Lui, c'est professeur K.O. Putain, qu'est-ce que je suis débile. La bande des coons. Le coon et sa bande. Ah mon dieu. J'ai acheté plus de papier alu et de mignons que vous ne pouvez imaginer. Très bien. $20,000 pour tenir les fouilleurs à l'écart. Lui, c'est professeur K.O. Juste pour empêcher les gens de fourrer leur nez par ici. Mais il m'en faut que quelques antennes pour ça. Alors, vous savez ce que je vais faire avec tout le reste? Aller à Paris, taper du Viagra et baiser de la petite française. Oh. Super Craig. Craig. Oh, je vais détruire cette ville. Et tu respectes la France, s'il te plaît, un minimum. Oh, l'attaque des hamsters enragés. Qu'est-ce que nous pouvons faire contre ça? Qu'est-ce que nous pouvons faire contre ça? C'est impossible. Nous ne pouvons rien faire. C'est la fin. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Attendez, on peut interagir avec eux. Ok, bon allez, c'est parti, professeur K.O. J'espère qu'il nous réserve de bonnes surprises, hein, ça me ferait plaisir. Qu'est-ce qu'il fout, lui, là? Ok. Oh, c'est excellent, les décors sont jolis. Bon travail, K.O. J'ai apprécié l'effort que tu as fait pour rendre ta chose crédible. Et des crânes. Et en plus, Halloween, c'était il n'y a pas longtemps, donc c'est parfait. Wow, j'ai eu peur. Ça a marché, j'ai eu peur. Voilà, c'est... J'ai un peu flippé là, l'araignée qui m'a popé dessus, ça m'a... Oh, salut, mec. Ça m'a fait tout bizarre. Qu'est-ce qu'il fait, lui? On n'en croirait jamais, ma forteresse est impénétrable. Alors, est-ce qu'il va avoir des pièges, je suppose?
Ah bah là on a juste à appeler je sais qui hein, le capitaine Diabète qui va nous aider. Tu vas voir si ta forteresse est impénétrable. Allez vas-y. Vas-y capitaine Diabète. Ok, c'est parti. Diabéto destroy. Tu t'es mis à travers de notre chemin mec. T'inquiète boîte à outils, Troduc va invoquer ton pouvoir temporel de folie. Hein? Ah oui d'accord, là on doit l'activer maintenant. Ouais. Ça va remonter ça et on va pouvoir passer. Excellent. Il nous aide quand même pas mal hein, parce que moi, il y aurait eu moyen que je sois bloqué pendant un petit moment. Ouais bah on a juste poussé ce truc en fait, c'était plutôt simple. Je peux pas récupérer la boule là? Non. Je vais péter la télé. Professeur K.O. Il a mis des télés partout. Bon il a pas de connexion ici, ça paraît évident. Il capte pas la télé. Il a essayé de faire son possible mais. Il y a des guirlandes et tout. Oh là là. Excellent. Je vous vois. Vous ne croyez tout de même pas que je n'avais pas prévu de plan B? Vous savez au moins combien de mignons on peut acheter avec 20 000 $? Butters, tu veux bien rentrer chez toi? On essaie de trouver un chat perdu. Dans vos rêves, la bande des coons. Butters, en fait, si quelqu'un te donnait un gros paquet de fric, légalement, cet argent reviendrait à notre franchise, à nous tous. Non, plus d'argent, c'est plus de mignons. Voyons comment vous allez vous en tirer. Waouh, waouh, waouh. Oh, il y a même des chiens avec de l'aluminium sur la gueule. C'est un peu de la maltraitance animale, ça, ce que vous êtes en train de faire là. Je tiens à le préciser. Moi, ce qui me fait rire, c'est que Butters, c'est totalement son caractère différent en fait dans Professeur K.O. Butters, c'est quelqu'un qui se laisse faire, qui est un peu naïf, qui est un peu une victime, on va pas se mentir. Et là, dans son personnage de Professeur K.O., il se lâche complètement et ça devient un peu justement la personne qui commande, qui est là pour foutre le bordel. Mais je suis désolé du coup pour cette erreur. L'autre c'est mystérieux, c'est pas Professeur K.O. J'ai pas compris pourquoi j'ai inversé les personnages. Donc vraiment excusez-moi. C'était une erreur complètement débile. Oh, les bons centres dégâts là. Vous avez mis des CD. Il y a des CD vierges. Enfin vierges ou pas vierges, peu importe. Ok. Tu as dû associer à ces minables, boîte à outils. Ouais, pourquoi? Oh, ça va faire mal là. Adieu, K.O. Bam. Oh, avec le combo de repoussement derrière. Oh non, par contre, les 1 PV, il faut pas faire ça. Faut vraiment pas faire ça, c'est dégueulasse. Faut vraiment pas faire ça. Les 1 PV, c'est toujours horrible de voir ça. Donc arrêtez, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Alors là, est-ce qu'on peut toucher les deux? On peut en toucher qu'un. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est ça plutôt. Voilà. C'est tout pourri, Butters. Et est-ce que ce chien-là attaque bientôt? Bon, on va le tuer, hein. On va le tuer maintenant. Ah, mais attendez. Est-ce que je pourrais pas toucher deux ennemis? Non. Bon, allez, on va le tuer. Une attaque gâchée. 110 de dégâts gâchés. Mais c'est pas grave. Le KO est sur toi. Encaisse, Produc. Tu es faible, cerf-volant. Mais j'aime bien ton choix de couleur. Mais je suis très mal placé là malheureusement. Bah écoutez, je vais mettre un bouclier sur Troduc hein, comme on m'appelle encore depuis le début hein, Cartman. Le mec n'utilise toujours pas mon nom hein. Que ce soit le nouveau Troduc hein, même à la fin de l'aventure, on s'appellera toujours comme ça ne changera pas. Ça ne changera point. Allez les mignons, vous pouvez faire mieux que ça. Elle est pas mal cette team. Après moi ce que je ferais, c'est que là j'enlèverais bien en fait j'enlèverais bien Kai en fait pour le remplacer par le moustique. Et je pense que la team serait vraiment 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 trop trop bien en fait dans cette optique là. Là ce serait vraiment super intéressant. Il y a moyen que je le tue si je fais un bon critique. Et bah voilà. Parce que le boîte à outils il est juste excellent comme personnage hein. Il peut attaquer de partout, il peut attaquer en diagonale sur les côtés. J'aime beaucoup, donc on essaiera de virer Kai la prochaine fois. Et on reprendra Capitaine Moustique qui lui aussi est trop cool. Et on aura la team parfaite qui pourra détruire n'importe qui, même Capitaine K.O. Ultime frère, au mauvais moment. Encore faux, Koon. Oh putain, quoi encore? Avec ces nouveaux fonds, j'ai trouvé une source de mignons encore plus formidable. Tous prêts à travailler pour des salaires plus que raisonnables. Oh, il a recruté des Mexicains.
Putain. Fallait y penser. On peut pas rester là comme ça et les laisser déconner avec le nom de notre équipe. C'est l'heure du coon. Il fallait y penser. Alors, est-ce que... Ah mais j'ai... du coup c'est bien. Bah finalement le notre ultimate va servir hein. Et ah mais j'ai bien envie de faire l'attaque. Oh elle est super forte. Quand les ennemis sont comme ça quand ce sont comme ça comment on appelle ça, éloigné, si je peux me permettre. Bah c'est assez puissant. The cone. Avec le petit saignement derrière. Waouh. Ça tape fort. Les sangs ne s'arrêtent pas. En arrière, je vais démonter KO. Je peux en attaquer deux ici. Si je me mets là, alors attendez, si je me mets là. En fait, ce qui est bien, c'est que ça attaque en diagonale, mais des deux côtés, tu vois, c'est pas. Ah, si je pouvais me mettre là, j'aurais pu attaquer les deux, mais bon, c'est pas grave. Non, mais je vais plutôt faire ça du coup. J'ai cruci. Dans le cul, les mecs. Dans le cul, les mecs. Dans le cul, Lulu. Le remprise chaotique m'empêche de comprendre. Par contre, on a plus beaucoup d'il faudrait que je passe un tour. Je vais passer les. Ouais, je vais passer un tour après. Je vais attaquer d'abord avec lui, avec mon personnage principal, et ensuite on essaiera d'utiliser notre compétence pour passer un tour. Ce sera plutôt utile. Là, sinon, on va être un peu dans la merde. Comment je pourrais les attaquer eux deux là? Si je me mets là, peut-être. Non. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Là, si je fais ça, je peux pas attaquer. Attendez. Ah non, parce que là, je suis bloqué. Là, je peux pas non plus. Boîte à outils, je sens le chaos en toi. Rejoins-moi. Là. Ah, même pas. En fait, je suis vraiment placé au mauvais endroit. Bon, c'est pas grave. Hey, je vous paie, je parque un peu, alors je vois des résultats. Comme ça, on va en buter un. Et là, je reviens. Voilà. Destruction, vous êtes fait enculer. Trop de sangre. Ah non, j'ai encore fait une connerie. J'ai encore fait une connerie, c'est pas ce que j'aurais dû faire. C'est pas ce que j'aurais dû faire. Parce que là en fait ce qui s'est passé. Ah non, quoique, attendez, est-ce que j'ai réussi à lui passer son tour? Non, en fait c'est bon. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Hop, on focus lui. Je veux pas voir ça. Maintenant, mets ton bord. Kai, il est tellement mauvais par rapport aux autres personnages parce que finalement il a. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il a quand même un heal, etc. Ce serait bien de le garder. Mais moi, je suis pour partir en fait sur du full dégâts dans la team et pas s'emmerder avec un healer. C'est pas forcément utile parce que si on arrive à les vaincre avant qu'ils nous tuent, généralement, on a pas besoin de ce heal. Donc voilà. Surtout que on a quand même le. On a quand même le petit heal de notre ami super. Enfin, boîte à outils, excusez-moi. Tournevis de la mort. Bam! Je serre la vis à KO! Oh, eh, on a fait un carnage, hein! Putain, il se bat avec des. Il balance quoi? Il balance des balles de. Ah, il balance des balles de tennis! Il se les prit, il se les prit dans la gueule! Bon sang, j'ai manqué de mignon! Beaucoup trop drôle! Beaucoup trop drôle! Gaffe au plus, mon dieu! Bah là, je vais juste protéger, hein, je peux rien faire d'autre. Je suis là! I am here! Gringo es muy malo. Dios, perdóname. Oh, wow, c'était pas gentil ça. On va tuer tout le monde de cette façon. Place au coup. Ah, bon sang, celui-là était au SMIC. Perforation de mignon. Perceuse laser. Ok, les copains, je pense que c'est ainsi. Je suis désolé les toutous, c'est pas de ma faute, je suis contre la violence animale mais là j'avais vraiment pas le choix. Je suis obligé d'avancer dans l'histoire, je suis désolé. Bon, c'est bon le professeur KO, on en a fini avec toi ou... J'en sais foutre rien, vous prenez l'allée là-bas, Super Craig, et moi on monte sur les toits. Ah, c'est pas terminé, hein. C'est vraiment pas terminé. Ok, analysons tout ça. Putain mais il a fait une installation d'enfer. Et bah là faut juste ouvrir ça, je suppose. On a deux garages à ouvrir, un là, masque bandeau. Il y en a un autre juste à droite là. Ah, c'est par là. C'est la base de Capitaine KO. On va devoir arrêter le temps tout simplement.
Bon, par contre, on a 4 secondes pour aller jusque là-bas. Ce sera, je pense que c'est juste suffisant. Et voilà. Et on va faire exploser la TNT. Je veux récupérer le coffre en haut. Oh merde, ça servit à rien. Ah merde, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire. Attendez, je vais revenir dans le temps. Ah oui, d'accord, on peut déplacer ça. Où est-ce que je peux la mettre? Ah mais non, mais là c'est juste pour exploser. Ah oui, mais non, mais là je suis... Oh mon dieu. C'est juste pour exploser le passage qu'il y a à droite. Je faisais pas gaffe, j'étais concentré sur le coffre là en haut qui me faisait de l'œil. Et je le veux. Et je ne l'aurai pas parce que je vois pas comment monter là. Mais en fait il faut juste monter là. Attendez. Putain, faut juste monter là en fait. C'était aussi simple que ça. Bande de tissu, c'est très bien. Ok. En tout cas, j'aime de plus en plus ce South Park. Il est vraiment, vraiment trop bien. Clairement, j'ai... Au début, j'étais vraiment pas pour faire un let's play. Je sais que je vous en parle que maintenant. Hein. Ça, on est quand même à énormément d'épisodes. Mais clairement, il est très bon. Il est très, très bon. Je suis assez content qu'il y ait quand même quelques personnes qui suivent l'aventure. Même si on n'est pas beaucoup, c'est toujours plaisant d'avoir une petite communauté qui est vraiment fidèle. Et c'est ça que je recherche, moi. C'est une communauté fidèle et pas forcément nombreuse. Sachet de nouilles japonaises, c'est bien, maintenant j'ai totalement la dalle. C'est formidable. On doit encore appeler Captain Diabète, je pense. Ah non, il faut juste voler au-dessus. Ok, je pensais qu'il pouvait péter ce mur-là, mais... Hop. Allons-y. Wow. Yeah. Yes. A plus. Mais tu sais que t'es dans ma team. Eh, on peut pas le changer tout de suite d'ailleurs. Attendez. Allié. Ah si, attendez, on peut le changer tout de suite. Je vais reprendre capitaine. Je vais reprendre le moustique. Je l'appelle capitaine moustique alors que c'est juste le moustique. Voilà, ça me plaît. Ah non, il faut juste passer par le haut. Je sais pas pourquoi on pouvait descendre du coup. Et on peut ouvrir ça. Wow. Ah d'accord, ok, bah je comprends mieux du coup. Donc on doit remonter. Et on doit... Ah non, attendez. Comment on fait du coup là? Ah, on va devoir repasser par en haut. Attendez, comment on fait là pour avoir le coffre? Eh mais... Bien sûr. J'ai encore ce pouvoir là que je peux utiliser. Comme bon me semble. C'était pourtant si simple. Vrille faciale. Oh, c'est stylé ça. Attendez, qu'est-ce que... Oh, attendez, ça peut bien donner sur mon personnage, je pense. Maquillage de base. Ah oui, c'est stylé, j'aime beaucoup. Ça aussi, c'était cool. Ah, pas mal, plus utilité faciale. On va rester comme ça, maquillage accentué. Oh là là, on a l'impression que j'ai... Ah non, mais c'est cool. Avec le style de personnage que j'ai, en plus, ça correspond super bien. J'aime beaucoup. On peut pas aller encore ici, je pense. Pourquoi K.O. voudrait-il envelopper un camion entier de papier alu? Bah pour le protéger. Ah, de retour. Elle est de retour, celle-là. C'est un plaisir d'avoir une fille dans le groupe. Mais du coup, elle est avec professeur K.O. À propos du restaurant italien, la nouvelle. C'est possible. Le propriétaire fait partie d'un nouveau syndicat du crime. Elle nous avait déjà aidé, donc... C'est qui? Celle-là. Le coup qui... Le coup qui pense que tout le monde... Que tout le monde est un traître. Qui rassemble toutes les familles du crime sous la même bannière. Bon, super, merci, ciao. Tu veux dire comme un caïd? Eh, ne dites rien, les mecs. On joue pas avec elle. Va voir le local de stockage 56D, la nouvelle. Et tiens, prends ça.
La nouvelle. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Je pense qu'il va te falloir toute l'aide nécessaire. Il y avait écrit le nouveau en sous-titre et elle a dit la nouvelle. Il peut devenir un super-héros, c'est ça ? Bon, trouvons Sacripant et finissons-en. Tu crois que je te vois pas, toi, là-haut ? Tiens ! Dégage. Alors, on peut acheter quelques trucs, mais vu qu'on a, on a pas mal de, d'objets dans notre inventaire, on n'a pas besoin. Hein. Clairement, notre argent, on la garde. Hein. On l'utilisera vraiment quand ce sera utile. Ah, est-ce que je peux pas déplacer ça ? Le chemin est bloqué, on n'a pas de compresseur, il faut passer par un autre endroit. Attendez. Avoir un super pouvoir qui ne fonctionne qu'avec un compresseur sur la main. Pourquoi vous êtes en haut et moi je suis en bas ? Va te faire foutre, Koon ! Je peux pas déplacer ça ? Ah ! Personne dans quoi capable de déplacer de la lave, Koon ? Merci. Joli déplacement de carton, le nouveau. 3 tissus. On a 65$ sur nous, ça commence à faire pas mal. Je pensais quand même avoir un peu plus, mais ça commence à faire une sacrée somme. Et on l'utilisera quand ce sera vraiment utile. Si on trouve vraiment des trucs intéressants, mais pour l'instant, voilà, on s'en sort sans utiliser notre argent, donc excuse-moi. Merde, faut faire quoi là? Je peux passer là ou pas? Ah, il faut reprendre le carton, d'accord, ok. Je viens de le voir. Allez, on le déplace ici. Voilà. Bon, on peut continuer. Très beau travail de carton. On est en vrai. C'est bien parce que moi je veux tout casser. Alors que c'est indiqué quand on peut casser quelque chose. Les gars, vous voyez ça qui pend quelque part? Oula! Ah merde, la lave! Oh là là, merde! Des Legos rouges! T'es saoulé, K.O.! Pas K.O., mais son acolyte! Général Désolation! Oh. Ah, Général Désolation! Il me dit quelque chose, lui également. Il me dit quelque chose. Ça doit être également dans la série, on a dû le croiser à un moment ou un autre. Savez-vous ce que professeur K.O. a projeté pour cette ville? Écoute, mec, toi et Butters, vous poussez le bouchon trop loin! Ouais, c'est le moment de vous donner une leçon! Ce sera pas aussi facile que vous croyez! Garde-moi, ce gars! Putain! Oh merde! Des minions, vamonos! Putain, ils ont carrément une machine qui peut disperser des Legos un peu partout. Donc on va devoir esquiver les Legos pendant le combat pour éviter de se faire brûler dans la lave. Oh, je vais vous asperger de lave jusqu'à ce que vous demandiez pitié. Range là-dessus. Les minions. Ah, est-ce qu'on va avoir l'important, c'est désolation. Je pense qu'on va avoir des indications où est-ce que la lave va tomber. Et ben bah, franchement là, on est parfait hein. Là pour faire de la OE, c'est vraiment. Oh, allez, le coin parfait, vous êtes bien paqué comme il faut. Tu l'as laissé te cogner. C'est vraiment cool. Je le sens bien ce coup-là les mecs. Ah, moi aussi hein. Oh. D'abord le coude les fait saigner et ensuite le moustique va se rassasier. Il faut d'autres minions ici. Ça commence à faire beaucoup. Alors je pense que eux aussi peuvent se prendre la lave. S'ils sont un peu cons, ça devrait le faire. Ta mère, abruti. Micro-agression. Quoi? Frappe-le. Comment tu m'as parlé toi? Comment tu m'as parlé? Comment tu m'as parlé? Voilà. Je te rappelle que les micro-agressions ça existe. Et que c'est à prendre au sérieux, d'accord? Merci. Les outils vont passer à l'action. Oula. Est-ce que... Ah mais non, mais là si je me mets là, ah bah j'ai déjà commencé à brûler, je suis débile, j'aurais pas dû aller là. Bon, on peut toucher les deux de là-bas. Voilà, avec le combo de repoussement. Pourquoi j'ai été dans la lave comme un débile? Je fais le con là hein. Ouh. Est-ce que je peux toucher du monde là? Ah, c'est pas mal là, attendez. Si je me mets là, on peut en toucher 3. Eh bah écoutez, c'est ce que je vais faire hein. Totalement là. Ma trempe B de stupéfaction. Et on fait également cette attaque. Ok, je le reconnais, Trouduc, t'as du potentiel. Ah non, mais il y a plus que du potentiel, c'est clairement mon personnage qui fait le taf à chaque combat. J'y crois pas. Oh mon dieu. Putain, ils ont fait un monstre avec des Mexicains dedans. Ils ont fait un... Oh là là, mais... Oh, le professeur K.O. il a été beaucoup trop loin. Ah là là, il fait des bons dégâts, hein. Mon personnage il s'est presque fait one shot. Mais pourquoi? Va falloir faire très gaffe là. Tiens, vas-y. Vous allez tous être détruits au nom de K.O. Le voilà. Ah, est-ce qu'on est bien placé? Ah merde. Concentrez-vous sur le rouquin, c'est mignon, arrive en masse. Ah, je peux me déplacer, merde, je viens de le voir. Ah oui, d'accord, il y a du temps. Ah bah c'est cool, bah du coup ils vont tous se prendre ça dans la gueule et moi je suis totalement tranquille.
Mais j'attends en fait là, non? Je vais focus le gros. Attention à la lave, ça arrive. Ah mais c'est bien, déplacez-vous ici. Ah merde, dommage. Si vous cherchez le coup, j'ai bientôt mon ultimate. Je prie pour toi, Koon. Immunisé. Ah mais bordel, ils sont immunisés. Ah, c'est dommage. C'est dommage, j'aurais pu rajouter un peu plus de stratégie sur ce coup-là. Ah, je trouve ça dommage. Bon, c'est pas grave. Là, je pense que je vais arriver derrière, donc c'est pas mal. Ah merde. Ne coupe pas plus que ça. Ah non, mais c'est parce que je me suis arrêté. Oh, j'ai fait de la merde. Je pensais que j'allais passer de l'autre côté, mais non. Mignon, pas. Je peux passer son tour là. Oh mon dieu, trop dur, vous la mise bien profond. Allez. L'heure de la justice maison a sonné. Bah écoutez, on va faire des soins là, on en a besoin. On en a énormément besoin. Voilà, ça fait du bien. Parce qu'on va prendre super cher avec le gros robot mexicain qui est juste devant nous et qui va certainement nous mettre très cher. Ça fait mal. Mais on a l'ultime. Oh mais il a un PV lui aussi, qu'est-ce qui casse les couilles. Ça va être la nuée. Merde, j'ai été dans le... Tant pis. Bah écoutez, c'est parti. On va faire l'ultime moustique. Il faut y aller de toute façon. Là, il faut tous les tuer. Et bah voilà, vous êtes où alors? Eh les mecs. Je croyais que c'était un combat sérieux là. Oh non, Cartman. Et c'est la mort épique de Cartman qui termine ses jours. Oh là là, le pauvre Cartman, c'est triste. Est-ce qu'on peut faire deux attaques? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas concentré. De toute façon, il restait que lui à tuer. Et en route. Ah non, il restait pas que lui à tuer. Je pensais que... Ah merde, je peux pas le toucher de là. Ok. Je vais juste passer mon tour en fait. Ah non, il y a encore le professeur K.O. à vous tuer. Pour toutes les fois, vous nous avez méprisé. Ah mais lui sa seule attaque en fait. Ah non, il attaque quand même avec. D'accord, ok. Mais c'est sa première attaque en fait. Depuis tout à l'heure il attaquait pas. C'est pour ça que je croyais qu'il jouait pas du tout. Mais si. Mais si il joue. Toujours ravi d'apporter mes talents uniques à la cause. Vous êtes tous en train de cramer. Oh non, il y en a encore la vache. Je vais peut-être devoir faire revue Cartman du coup là. C'est peut-être une question de vie ou de mort. On va déjà faire ça. Est-ce que je fais revivre Cartman? Bon, on va déjà tuer le professeur K.O. Peut-être que si on tue le professeur K.O. ça s'arrête complètement le combat. Ouais, voilà. Fallait juste le tuer en vrai. En fait, j'aurais pu le focus. Mais j'ai décidé de foutre le bordel et de tuer tout le monde. C'est pour leur donner une bonne leçon. C'est pour qu'ils recommencent plus ce qu'ils viennent de faire. Une bonne raclée dans la gueule et après c'est terminé. C'était le dernier. Ne compte pas là-dessus. On devrait faire un. Attends. Il va falloir faire vite là, non? Super Craig. Ouais. Ah, je pensais que ça allait remplir tout le terrain. Super Craig, mais... Tiens bon. Merde, on n'a pas le compresseur sous la main. Impossible de virer la lave. Tiens bon, Super Craig. On va trouver un truc pour brancher la sableuse de boîte à outils. Toi et moi, on sait que je suis déjà mort. Non, Super Craig. On va trouver un moyen de te sauver. Fais quelque chose, boîte à outils. Y a rien ici. Ma sableuse a besoin d'air comprimé pour fonctionner. Va chercher celui de l'entrée. Alors, j'avoue que si Super Craig meurt, ça me dérange pas du tout parce que c'est un perso que j'aime. Que je contrôle pas. T'inquiète, y a pas de soucis. Hein. Non mais laisse-le mourir. Il semble que je sois bon pour un aller simple. Ouais, y a pas de soucis. Si, bien sûr. Joli, t'as pas laissé ce petit anarchiste sortir avec sa théorie dépassée par sur le rôle par genre. Tu es libre de rentrer chez l'un ou l'autre parent. Ouais, désolé, je lis des messages en haut. Ok, d'accord. Un compresseur. Si au moins il y avait du vent ici. Et je sais pas où il est le compresseur. Si au moins il y avait du vent. Ok. Bah, il faut passer par là. Oh merde. Matérialité pour passer en mode inspection, il est utilisé pour mettre la lave en surbrillance. D'accord, c'est le moment où on peut. D'accord, donc là on a débloqué cette compétence. Et ça va marcher, il va ramener le compresseur. Enfin la sableuse. Comme ça qu'il l'appelle. Ah oui. Mais qu'est-ce que tu fous? Ça va pas à la tête. D'accord, j'y avais pas pensé. Non, j'y avais pas pensé, c'est une bonne idée. Ok, pas mal. Non, très cool. Il faut faire quoi exactement? Ah, il faut essayer de. Ah d'accord, ok, de tenir bien le point de... Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le nouveau s'est fourré un tube dans le cul et a dispersé toute la lave. Ah. Les gars, allez choper K.O. De toute façon, les pouvoirs de... Alors mes pouvoirs et les pouvoirs des autres, ça tourne toujours autour de mon prout, quoi qu'il arrive. Donc
Ça, c'est une injection intracardiaque, Super Craig. Il fallait que je te stabilise. Ah, mais tu déconnes ou quoi? T'aurais pu me tuer, putain. D'où est-ce que tu tiens ça, Cartman? D'Internet. Super Craig, garde ton calme. Tu es gravement blessé. Partez devant vous autres. Je vais essayer de stabiliser. Eh, hey, c'est vraiment cool comme truc. Maintenant, on peut faire disparaître la lave comme on veut. On fait une super équipe, Troduc. Déblocage de pouvoir d'amis sableuse, voilà. Donc on pourra accéder à pas mal de choses. Moi direct je pense à la banque et surtout au raccourci qui était près du Twix Coffee. Mais surtout la banque, je suis pressé de voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Et donc on va s'arrêter là les amis pour cet épisode de South Park, l'anal du destin. Oui, c'est un arrêt un peu brutal, mais en fait je me suis rendu compte que l'épisode durait 1h25, donc je me suis dit que j'allais le couper en deux afin d'avoir un épisode voilà, de 40-45 minutes qui est beaucoup plus facile à regarder. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais de gros bisous et à la prochaine, à demain tout simplement. Salut.